Y'a Playmaster et Masterette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. Avant de commencer la vidéo, je vous conseille d'aller au magasin de pêche qui se trouve à La Grasse. Parlez à cette dame-là qui vous vendra justement les trois leurres spéciaux. Il vous fera acheter le leurre de lac spécial, le leurre de rivière spécial et le leurre de marée spécial pour pouvoir faciliter la traque aux poissons légendaires. Ils vous seront indispensables. Pour débuter la quête des poissons légendaires, il va falloir justement vous rendre à Greenlanding en dessous de Flanex Station. Parlez à un inconnu qui s'appelle Jeremy Gill. Il vous donnera à ce moment-là une carte légendaire et on va suivre dans l'ordre tous ces poissons numérotés sur la carte. Premier poisson, la perche noire légendaire. La perche noire légendaire se trouve à le côté du lac Don Julio. Le positionnement de mon joueur est très important pour pouvoir attraper les poissons plus facilement. Je suis à côté de San Luis River. Utilisez le leurre de rivière spécial pour vous faciliter la tâche. N'oubliez pas surtout de bien lever la canne à pêche pour pouvoir limiter justement la résistance du poisson. Une fois le poisson attrapé, vous allez devoir vous rendre à un bureau des postes pour pouvoir le livrer justement à Jeremy Gill. Faites la flèche de droite, appuyez sur croix pour justement donner le poisson. Une fois le poisson reçu, vous aurez 24 heures pour recevoir votre première récompense. Vous pouvez dormir en déployant un campement. Numéro 2, le brochet d'Amérique légendaire. Le brochet d'Amérique légendaire se trouve à Lower Montana River, à côté de Stillwater Creek, dans la petite gorge de rivière. Je me trouve sur un ponton. La position de mon joueur est très importante, il faut la respecter pour pouvoir vous faciliter la tâche d'attraper ces poissons. J'utilise donc un leurre de rivière spécial. Pour tous les poissons légendaires, vous allez devoir vous rendre au bureau des postes. Donc vous devrez répéter l'opération. Vous attrapez un poisson légendaire, vous allez le livrer. Vous allez attraper un poisson légendaire et vous devez le livrer. Vous devrez répéter l'opération en tout 13 fois. A chaque fois que vous apportez un poisson, 24 heures après, vous recevrez une récompense. Donc des fois, ce sera de l'argent ou des leurres de la part de Jeremy Gill. Troisième poisson, le crapet de roche légendaire. Le crapé de roche légendaire se trouvera à Aurora Bassin. Je me trouve encore sur un ponton, à l'extrémité du ponton. Et ici, il y aura un kayak, canoë-kayak, qui se trouve à Tall Tree. Si vous n'arrivez pas à attraper ce poisson sur le ponton, vous pouvez toujours utiliser ce petit kayak pour justement vous rendre au milieu du lac. Et j'utilise un leurre de lac spécial pour pouvoir l'attraper. Comme dans ma vidéo précédente, laissez bien le poisson, tous les poissons légendaires, se débattre, le fatiguer. Ne tirez pas trop pour pas casser la ligne. Ce poisson-là est dans un étang malade, c'est pour ça qu'il n'est pas très beau. Quatrième poisson, la chigane à petite bouche. Il se trouvera à côté de Strawberry. Je me trouve à côté de la bouche du poisson. J'utilise donc un leurre de lac spécial. La nuit et le matin est conseillé aussi pour attraper justement tout ce qui est poisson légendaire. Lui, c'est un des gros poissons légendaires, énorme celui-là. Cinquième poisson, le saumon rouge légendaire. Il vous faudra vous rendre au lac Isabella. Alors, je me trouve
entre le A et le K du lac, justement. Au-dessus de Grizzly West, je me trouve sur un lac gelé. Faites attention, ça glisse un petit peu. J'utilise le leurre de lac spécial. Donc c'est un poisson très combatif. Laissez-le bien se fatiguer car il est très vif. Il y a pas mal de rochers aussi dans ce lac. Faites attention car il vous emmènera pour justement essayer de vous faire casser votre ligne. Laissez-le bien se fatiguer. Ne forcez pas, ne moulinez pas pendant qu'il se débat. C'est un des plus gros poissons et un des plus vifs. Donc un des plus chiants à attraper. Il faudra, comme d'habitude, vous rendre au bureau des postes pour le livrer et recevoir vos récompenses 24 heures après. Sixième position, le brochet maillé. Le brochet maillé se trouvera au nord de Flanek Station. Je me trouve, la position de mon joueur, à l'extrémité, donc au bout de l'île. Prenez comme référence la branche d'arbre, l'arbre, le tronc cassé. Moi, je me suis mis juste à côté et voilà où je lance. J'utilise un leurre de rivière spécial. Les poissons sont assez malins dans le jeu. Il va falloir faire attention à l'environnement, les rochers, les armes et tout ce qui s'ensuit. Justement, essayez d'orienter en gardant le contrôle votre joystick dans le sens opposé du poisson. Septième position, la truite arc-en-ciel légendaire. La truite arc-en-ciel légendaire, vous la trouverez au nord-est, tout en haut à droite, au-dessus de Brady Wind Drop. Donc remontez juste la rivière et vous la trouverez juste à côté d'une belle cascade. Voilà, moi j'ai pêché juste à côté de cette cascade là sur un petit rocher. J'utilise un leurre de rivière spécial. Voilà, comme ça vous pouvez voir où j'ai lancé. Donc faites gaffe au rocher. Et certains poissons, là j'ai montré l'indication, on peut les voir arriver car ils sont assez gros et on peut voir leur attaque assez rapide dans l'eau. Et ça, je trouve ça un peu vraiment trop stylé quoi. C'est un très très beau poisson. Give me the sushi! Huitième position, la perche légendaire. La perche légendaire, vous la trouverez à Lysian Pool, un petit lac juste en dessous de Hannesburg. Donc c'est pareil, ça sera à côté d'une petite cascade. Je me suis mis sur un petit rocher. J'utilise un leurre de lac spécial. Là où je lance, je vous montre. Voilà. N'hésitez pas surtout à bien lever la canne et à mouliner tout doucement. C'est très important. Voilà, c'est pareil, c'est un lac un peu empoisonné, donc les poissons sont malades et c'est pour ça qu'ils sont pas très très beaux. Je dirais qu'ils sont un peu abîmés. Futur acteur de The Walking Dead. Bureau des postes, n'oubliez pas. Le Maskinonge. Maskinonge, c'est une sorte de brochet, voilà, où je me suis mis. Donc c'est à côté d'un phare, à côté de Von Horn Trading Post, numéro 9. Juste en dessous de Hannesburg, pareil. Donc là, il faudra faire très attention parce que il y a beaucoup de rochers. Les brochets, le Maskinonge va essayer exprès de vous emmener la ligne dans les rochers. Donc voilà où je me suis mis, juste à côté du phare. Hein. Donc faites gaffe à pas glisser justement sur les rochers. N'hésitez pas à orienter comme je vous ai déjà dit. Voilà, comme là il fait, hein, il veut partir dans les rochers. Moi, j'oriente le joystick à l'opposé de l'attaque du brochet. Donc essayez toujours de garder le contrôle, c'est très important pour pas casser votre ligne. Et sinon ce poisson il est vraiment magnifique, très beau. Un petit gris, il est vraiment très très beau. Dixième position, l'épizosté osseux légendaire. Donc vous le trouverez en dessous de la grâce. Alors, notez bien la position car c'est pas évident à trouver, justement c'est des marais. Donc j'utiliserai un leurre de marée. Là je fais en 360 pour vous montrer où je suis bien précisément. Alors notez bien la position parce que c'est vraiment pas évident à trouver. Donc voilà, j'utilise un leurre de marée pour l'attraper. Alors faites très attention car il y a beaucoup de crocodiles qui tournent, qui s'est inondé de crocodiles. Donc ils n'hésiteront pas à vous attaquer. Donc soyez un petit peu armés quand même. D'ailleurs je le dis, épidémie de croco.
clairement. Donc j'ai pêché de nuit pour l'attraper, parce qu'il y aura beaucoup aussi d'autres prédateurs, donc faites très attention. Voilà, c'est un très beau poisson, l'épigysté osseux. On dirait qu'il a un petit peu en or, un peu léopard en or, un petit peu vert or. Très beau poisson. La barbotte jaune, 11e position. La barbotte jaune légendaire, va falloir vous rendre ici. Je vous ai noté un point bien spécifique pour trouver un bateau. C'est au sud de Saint-Denis. Va falloir traverser toute la rivière pour aller de l'autre côté sur l'île. Le poisson légendaire se trouvera de l'autre côté. C'est un des plus chiants. Il se trouvera sur l'île Sissika Penitentia. Voilà, donc il va falloir traverser tout en bateau. Donc là, je vous fais un 360 pour vous montrer l'emplacement du bateau. Ils sont très durs à trouver, les petites barques, les bateaux, les canoës, kayaks. Donc si vous en trouvez un, c'est de la chance. Voilà, l'emplacement bien précisément du poisson légendaire. Pareil, je fais un 360 pour vous montrer un peu où je suis. C'est vraiment au début, hein, au début de la rive. J'utilise un leurre de rivière spécial pour l'attraper. Car c'est une grande rivière. N'allez pas super loin, ne vous enfoncez pas dans l'île. N'allez pas justement au fort, car c'est pareil, une prison. Donc les personnes vous tireront dessus. Donc n'allez pas sur le fort. N'allez pas les voir. Hein. Déjà, c'est interdit de venir pêcher ici. De base, il y a une zone rouge pour le délimiter. Et donc voilà mon retour. Donc vous retournerez en bateau. Là, beau coucher de soleil. 12e position, l'esturgeon jaune légendaire. L'esturgeon jaune légendaire, je l'ai pêché ici. Malgré qu'il soit noté en bas des rails, je suis en sud de Saint-Denis. Et donc ma position est bien précisément de l'autre côté des rails. Donc à l'heure de rivière spéciale, j'utilise l'esturgeon jaune un peu combatif, hein, vraiment... voilà, c'est pas un des plus chiants, mais voilà, assez combatif quand même. 13e et dernier poisson légendaire, ça sera le crappé arlequin légendaire à côté de Rhodes. En dessous, là où je vous ai bien mis la position de mon joueur, il sera ici. Voilà, avec j'allais attraper avec un leurre de lac spécial. Donc c'est quand même assez grand, donc vous aurez un peu de mal quand même. À la voir, mais si vous respectez bien le positionnement où je vous ai montré, normalement il n'y aurait pas de souci. Voilà, c'est assez grand. Il y aura aussi des petits kayaks pour à côté pour que vous puissiez aller au milieu du lac. Une fois tous les poissons attrapés, vous allez devoir retourner au bureau des postes. 24 heures après que vous l'avez ramené, vous recevrez une invitation de Jérémy Gill. Il faudra appuyer à ce moment-là sur votre sacoche, la flèche de droite, et appuyer sur l'invitation. Une fois que vous aurez lu justement le texte, vous n'êtes pas obligé de la lire, hein, vous aurez une mission secondaire qui s'affichera sur la carte à côté de Flanex Station. Il faudra retourner au début et venir lui parler. Good timing. Do you have a camera? Sure. What are you talking about? Liars! Damn liars! Well, yeah, they're the liars. Hey, are you the guy that took the photos? I don't think so. Oh, must have been that fella from Quebec. Did you say you had a camera? Yeah. Good. You'll do then. What do you need? I found a giant catfish up near Frontera Bridge over in Rio Bravo. Isn't that out in the desert? Yes. And I'm going to catch it. And you are going to photograph me catching it. Voilà, vous avez compris le principe. Il va falloir le suivre pour aller capturer ce fameux grand poisson légendaire, le poisson chat. Donc le suivre en bas de la map, dans le désert, et le photographier parce qu'il veut être photographié au moment qu'il aura chopé le poisson. Voici votre récompense, c'est la cuillère spéciale. Vous allez dessus, vous la ramassez en appuyant sur carré. Donc voilà la position du poisson chat. Ça sera à San Luis River. Donc en bas, tout en bas à gauche, dans le désert.
Voilà, cette vidéo n'a rien à voir. Mais voilà, je tiens à vous dire que je suis justement en train de le chercher, ce poisson-chat énorme. D'après l'encyclopédie de Red Dead, il mesurerait 1 mètre, plus de 2 mètres et pèserait dans les 80 kilos. Voilà, c'est un poisson-chat énorme. Donc je ne l'ai pas attrapé. Voilà, personne pour l'instant, j'ai vu personne l'attraper non plus, soit sur YouTube ou autre. Je cherche, hein, je cherche vraiment. Je me demande même si c'est possible de l'attraper. Chose à savoir, c'est que je pense qu'il faut quand même l'attraper de nuit. J'ai essayé l'appât, l'heure démarrée, parce que on nous l'indique que les poissons-chats sont verrus de ces l'heure. Voilà, si vous avez des informations, je suis vraiment preneur. Comme ça, je ferai partager toute la communauté de cette prise-là. Sachez que je suis vraiment concentré à essayer d'attraper ce poisson. Mais vu que la rivière, comme elle dit, est énorme, c'est vraiment très très dur à attraper. Voilà, je pense vraiment qu'il faut... J'ai même essayé sur le temps d'orage, la nuit, des autres appâts, etc. différents. Voilà, si vous avez des informations, parvenez-les moi et je ferai partager toute la communauté justement, et je ferai vraiment une vidéo bien spéciale, bien spécifique pour ce poisson. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez des petits commentaires si vous avez besoin d'aide. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, the master is you and not the game. Allez, ciao, ciao, bye bye, à la prochaine. Fatality.